Ouais, ça fait longtemps, longtemps que j'y pense. J'en ai marre de devoir me les épiler, de devoir les soigner, de devoir m'en occuper, de bien reboucher les petits trous quand j'en ai fait, parce que oui, ça m'arrive. Du coup, c'est parti, je les rase. Alors, j'ai piqué la bombe de rasage de mon chéri et son superbe rasoir Gillette. Oh, pas de placement de produit, enfin. Oula. Alors, j'avoue ne pas avoir l'habitude de utiliser ces petites choses, mais on va tenter. Je vais faire celui-ci en premier. Ah! Mais c'est pas de la mousse, ça! Est-ce qu'il faut peut-être... Ah! Grandiose, le pouvoir masculin. Par contre, j'adore comment ça sent. J'aurais peut-être dû prendre des sopalins. Bon, on va en mettre quand même la dose, parce que je suis en pas à me couper quoi que ce soit. Je peux conserver quand même ma peau et mes cils, par la même occasion. Oh, j'en fous partout. Alors, hop. Voilà, là c'est dur. En même temps, je me déguise en Père Noël. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et c'est parti. Oh, ça rase que dalle. Hein. C'est pas très pratique. J'espère que chérie m'embrasse. Alors je reviens, je vais essuyer et je vous montre. Alors j'essuie. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Oh mon dieu. J'ai l'air malade. Et non, ce n'est que du cache-chaussure. C'est parti. On va commencer par la méthode professionnelle avec des produits comme du cache-sourcil et du spirit gum. Alors moi j'ai plutôt les sourcils assez fournis. Donc si ça marche pour moi, ça marche pour toi. Première étape, on va les brosser. Donc là ce que je veux que ce soit, je veux que ce soit plaqué vers le bas. Et ici, plaqué vers le haut. En fait selon la formation du poil. Ensuite, j'utilisais ma wax. Alors comme tu vois, elle a quand même été pas mal utilisée. Donc je vais prendre une fine couche sur le bord de mon ongle. Et je vais l'appuyer. Donc le but est que ce soit vraiment bien plaqué. On ne veut pas qu'il y ait de volume. Pour moi, il faut bien que je fasse attention à ce niveau-là. Parce que sinon, ça se voit. Donc, du coup, je préfère en mettre trop que pas assez à ce niveau. Comme tu vois, mes sourcils sont plutôt bien fournis. Quelle horreur! Ça fait un peu la mode à un moment donné, c'était de dessiner des feuilles dans ses sourcils ou je sais pas quoi. Ensuite on va utiliser du spirit gum, celui-ci il vient de chez Kryolan, pour bien coller nos sourcils. Donc, attention à vos yeux, c'est quand même un produit irritant. Et on va le mettre juste au niveau des poils. Pendant que ça sèche, petite précaution, toujours effectuer un test d'allergie. On n'est jamais trop prudent. Et ensuite, il nous faut un fond de teint bien couvrant. J'espère juste qu'il est toujours la bonne couleur. Genre là, j'ai pas mis assez de pâte. Alors pour un make-up artistique, en général, ça suffit amplement.
c'était la méthode professionnelle. Maintenant, on va passer à la méthode que j'emploie le plus souvent parce que c'est rapide, facile et l'effet, c'est qu'il vaut. Donc pour l'autre technique, on va utiliser de la colle UHU. C'est de la colle qui s'en va à l'eau. N'utilisez pas d'autres styles de colle, je vous en prie. J'ai déjà fait cette erreur avec de la vraie colle qui colle bien fort. Et ben j'ai eu une épilation des sourcils. Donc pas de bêtises. Renseignez-vous, ce que je n'ai pas fait à l'époque. Renseignez-vous, ne faites pas de bêtises. Première étape, ça va être de coiffer notre superbe bout de sourcil. Hop, donc là on va plaquer vers le bas, ici vers le haut. Voilà. Je vais utiliser cette spatule pour bien appliquer la colle. J'en prends quand même une bonne dose. Mon beau miroir. Donc à ce niveau-là, hop là. Le but c'est vraiment de plaquer les poils pour qu'il n'y ait pas de volume. En insistant à ce niveau-là, parce que c'est là où c'est le plus fourni en général. Hop, si ça a un peu débordé sur la peau, il suffit de l'enlever. Parce qu'en séchant, ça va pas rendre un effet génial sur le make-up. Donc là, on va attendre que ça sèche avant d'appliquer la deuxième couche. On va prendre la poudre avec une houppette ou une éponge et on va plaquer le tout. En insistant bien sur le devant du sourcil. Et ensuite, à l'aide d'un fond de teint bien couvrant, on va recouvrir le tout. Alors, en général, c'est cette méthode que j'utilise pour faire mes make-up artistiques. Puisque je couvre ensuite avec de la couleur et ça suffit amplement. Et on va revenir poudrer. Voilà ce que ça donne, donc la méthode professionnelle, bien que ma cire soit de la grosse daube. Il faut se le dire, il y a la bonne qualité et la mauvaise, donc elle a tendance à craquer, c'est pour ça que l'effet n'est pas bien droit. Lorsque vous avez vraiment de la cire de bonne qualité, il n'y aura pas de craquelage, ce sera vraiment parfait. Et la méthode avec de la colle qui fait son job pour des make-up artistiques. J'espère que tu as aimé cette petite blague, si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et surtout à partager la vidéo. Je te fais d'énormes bisous. Bye !